Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode 58 sur Assassin's Creed Origins. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais dit, oui, on ira faire la quête principale, que nenni. Je ne l'ai pas fait, mais bon, aujourd'hui, on va essayer quand même de respecter ce que j'avais dit, et donc Voilà direct, cette femme. bam, tout de suite. On dirait. Quelqu'un? Du coup, on enchaîne tout de suite, avec la quête principale. Eh ouais. Bonjour. Bayek? Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans le Fayum? On raconte que c'est un bon endroit pour prospérer. Mais je ne m'attendais pas à t'y trouver, Kensa. Que veux-tu? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça? Me voilà quoi, gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et boire. Moi je dis, elle m'a quand même touché les pecs, hein. Mais moi j'ai pas le droit de faire ça, c'est dégueulasse. Ah, Bayek, mon rêve est à portée de main. Si seulement l'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de l'arène. La célébrité, la richesse, le luxe, tout ce dont peut rêver une femme, hein? C'est pour ça que je suis au Fayoum. Pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mytho. Mais on me refuse l'entrée de l'arène. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts? Bien. C'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côte à côte. En attendant, buvons. Nous irons à l'arène demain matin et je ferai les présentations. Contre les deux Gaulois, je quoi. Je suis heureuse que tu sois ici, mon ami. Donc c'est un fight 2 contre 2 en fait. Qu'est-ce que je fais moi? Une fois prêt, entrez dans l'arène de Crocopolis. En plus ça prend tout son sens. Hop. Bienvenue à tous ceux d'entre vous qui veulent découvrir le quartier des divertissements. Ah. Tout égyptien qui accepte d'acquitter un impôt culturel y sera admis. La culture. D'acquitter un impôt culturel. La culture pour tous. J'aurais pu appeler Artemis ou encore Robert, mais. Écartez-vous de mon chemin! Je suis bien. Je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain que là, c'était, ce n'était pas du tout, comment dire, censuré. Mais pour le bien, ils ont censuré. Comme plein de jeux d'ailleurs. Et je pense qu'à mon avis, on voit même pas le torse dans quelques pays comme, comment ça s'appelle, l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont une énorme censure, c'est un truc de dingue, quoi. Alors qu'on... Bizarrement, on n'aurait pas cru, quoi, mais en fait, si. Ils censurent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, on va se battre avec notre ami contre ces deux-là. Alright. Bonjour. Oh, le mec exacerbé. Je veux que cet homme soit mon partenaire. Il se trouve que ce pauvre crétin d'Ibère a été mis en pièces par des lions. J'ai peut-être une place pour toi, et si Kensa se porte garante. Si vous faites équipe tous les deux, il va falloir qu'on vous trouve un nom. Que dites-vous des guerriers de Siwa?
Je crois que gardien de Siwa serait plus approprié. Ce sera assez marquant pour toi. Ça ira, j'ai déjà entendu pire. Allez, entrez. Que les combattants attendent leur tour dans l'arène. Ça sent le sang, la sueur et parfois les excréments. Pour ceux qui ont tendance à faire dans leur armure, c'est ici que ça se passe. Aucun pharaon ni aucun dieu ne pourra te protéger dans l'arène, Medjay. J'aurais dû trouver une nouvelle arme. Ah, je peux pas avoir accès à... Oh. Désolé, j'ai interrompu quelque chose. On peut y aller ? Oui, j'ai pas une grosse arme, suis-je bête. On verra. Si je galère un peu trop, on ira chercher une arme. Tu mourras. Tâche de le faire avec panache. La foule adore ça. Si par hasard tu survis au combat, t'auras droit à la célébrité à la gloire. Et tu pourras toujours mourir au prochain spectacle. Telle est la vie des gladiateurs. Brève, mais rayonnante. Très bien. Bon, qu'avons-nous là ? Ah, voilà Callistos. Callistos, ancien soldat de Ptolémée, qui prétend savoir se servir d'une épée. Horus, il a été mon meilleur combattant, mais là je n'épargne personne. Aujourd'hui il ne vaut plus grand-chose, alors il entraîne les débutants. C'est une armure de l'armée de Ptolémée ? La plupart des combattants n'ont pas de quoi s'en offrir une. Et puis tu sais bien qu'elle ne dure jamais longtemps. L'armée peut bien se passer de quelques armures, et ça apporte une touche d'authenticité. À propos d'authenticité, tu te battras uniquement avec les armes que je te donnerai. Ah. Je ne tolère aucune exception. Tu connais déjà Kensa, c'est sa recommandation suspecte qui t'a ouvert les portes. Suspecte. Tu sais, on est partenaire de guerre. Crocodilopolis accueille un nouveau champion. Ou un autre gros tas de viande en sursis. Je veux savoir s'il sait se battre. Pour en juger, qui de mieux que la grande spécialiste qui l'a recommandé ? Ha ha ! Qu'en dis-tu ? Tu es prêt à faire teinter ta lame, vieux Medjay ? Voyons si tu as fait des progrès. Ouh ! J'étais pas prêt, madame ! Aïe ! Ouais, non mais, on arrête de me sauter dessus, voyons ! Pas mal, vieux Medjay ! Pas si vieux que ça ! Plutôt efficace pour un chien des sables. D'accord, comme ça. Tu as un nouveau partenaire. Les portes ouvriront bientôt. Soyez prêts. Voilà les miettes que Félix va jeter sur l'autre passage. Ah, elle a mis les boules d'oreilles. Ce sera une pitance bien maigre, frère. On dirait Kratos. Je vais te trancher les bourses et te les faire manger. Le principal obstacle à notre gloire, les frères gaulois. J'en ai entendu parler. Alors pour ceux qui ne s'avaient pas vu, en fait, elle a reculé, elle s'est pris la flèche de l'autre, quoi. C'était magnifique. Tout va bien, mon ami. Tu as l'air distrait. Ne t'en fais pas. Tu te sentiras beaucoup mieux après le premier combat. Je vais très bien. Mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu es venu ici. Ça, c'est une longue histoire. J'ai été réduite en esclavage du temps où Ptolémée régnait à Siwa. Une crapule du nom de Septimus et son clan de voleurs avaient des vues sur moi. J'ai réussi à m'emparer d'une épée et à m'enfuir. Je suis arrivée ici et Félix a accepté de m'entraîner. Mais on a assez parlé du passé. Si tu savais comme je suis heureuse de te faire profiter de cette occasion, bientôt la foule te vénérera. Presque autant qu'elle me vénère. Oui, oui. Ensemble, nous fendrons le soleil de nos épées. C'est ce que j'aime entendre. Allons dire à Félix que nous sommes prêts à nous battre. Plus tôt nous commencerons, plus tôt nous serons champions.
Oui, ça me vénère, oui, ça me vénère. Bonjour. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Tout le monde se croit prêt jusqu'à ce que le sang et les tripes se mettent à couler. Vous allez débuter contre des novices. Si vous survivez, on aura l'occasion d'en reparler. Deux guerriers, seuls contre tous. La foule aime les combats inégaux. Alors ne décevez pas la foule. Ni moi. Tu l'auras, ton pognon. Garçon. Bonjour. Et Horus, pas vrai? Félix dit que c'est toi qui nous entraîne. Pas par choix. Les frères gaulois m'ont eu à la tête. Sans l'intervention de Félix, ils m'auraient tué. Que peux-tu me dire sur eux? Ne te bats pas contre eux. Ils sont forts, rapides, et ils aiment tuer. À leurs yeux, tout cela est drôle. C'est les Gaulois. C'est leur sang qu'ils réclament, ou le nôtre? Peu leur importe, il n'y a pas de non-sens. Ne retiens pas ta lame. Eux ne se gêneront pas. Tous ceux qui se battent ici connaissent les risques. Tu t'es vite habitué à cette nouvelle vie. Il suffit de les regarder. Ils m'adorent, la lèvre. Les hommes, les femmes. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Oh! Mais sinon, il se passe quelque chose, tu t'en tues un ou pas? Ah oui. Pas mal. Ces bandits des sables ont plus de mordants qu'ils n'en voulaient. J'étais pas prêt, hein. Hé, hey, je peux. J'étais en train de me gratter le visage. Est-ce que vous pouvez vous en parler? Allez, attaque, 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 attaque. Attends, il y a des archers. J'ai vu un mec se prendre une flèche. Chapeau pointu. Et toi, tu t'es fait gang bang. Ah non, elle a même pas donné un petit coup. Trois petits tours et puis ça va. Allez hop. Allez. À vous. Et ensuite. Ouh là là là. Ouh, 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 ouh. Aïe. Ah oui, moi aussi j'ai skill dedans. Les meilleurs gladiateurs sont envoyés en mission spéciale. Et gagne plus d'argent que tu pourras jamais en dépenser. Alors faisons en sorte qu'il nous remarque. J'étais coincé, je ne sais pas pourquoi. Oups. Ah oui. Turn. Mais c'est du caca. Ah, il y en a plus. Déjà? Victoire pour les gardiens de Siwa! Les nouveaux favoris de l'arène! Qui sait jusqu'où leur fougue et leur talent les mèneront? J'ai eu une idée de génie en associant deux nigauds comme vous. La foule vous adore. Je te l'avais dit qu'un destin grandiose nous attendait! Grandiose? Doucement, doucement, ma petite fourmi. Il vous reste un long chemin à faire. C'est un bon début, mais vous devez progresser. Vous n'affronterez pas les frères gaulois avant d'avoir battu d'autres cargaisons de novices. Pour être franc, j'espère que vous réussirez. T'arrêteras peut-être de me casser les noix. Que faut-il faire pour les affronter? Par le sang des dieux. Toi aussi? Pensez plutôt à votre prochain combat. Puisque vous me harcelez, je vais vous ajouter des lions, des gros. Je les affame depuis des jours. Vous serez leur dîner. Venez me voir quand vous serez prêts. Ou alors ils vont s'attaquer à tes soldats. Si Kensa dit vrai, le crocodile a pu engager n'importe lequel de ses gladiateurs. Je trouverai peut-être des preuves de l'implication des frères gaulois. Et peut-être même l'identité de leurs mécènes. Nous sommes sur la bonne voie. Après tout ce temps, je vais enfin pouvoir me battre contre ces Gaulois. Tout ça grâce à toi. Moi aussi, ça me plairait beaucoup. Mais que sais-tu au sujet de ces contrats dont tu m'as parlé?
Oh, Bayek, le justicier, serait prêt à se salir les mains? Les temps ont changé, Séni. J'imagine qu'on ne peut pas rester Medjay éternellement. Tu vas devoir en parler à Félix. Mais sois discret. Le meilleur moyen d'atteindre le crocodile est de battre les frères Gaulois. Comme si j'avais besoin d'une raison pour égorger les meurtriers de Shadia. Félix, il paraît qu'on emploie des gladiateurs à d'autres tâches. C'est des rumeurs. Et même si les rumeurs étaient vraies, t'es encore loin d'avoir fait tes preuves. Ton travail, espèce de chien galeux, c'est de te battre, rien de plus. L'or se gagne dans l'arène. Il se gagne pas ailleurs. Alors j'irai dans l'arène. Nous sommes prêts. Bien. Les propriétaires de l'arène de Sirène s'intéressent à vous. Offrez un bon spectacle, on en profitera tous. Comme le chien que t'as sur l'épaule, c'est ça? Allez. Je pouvais parler à un mec là? Ah, bonjour. Tes débuts sont impressionnants, Siwa. Je suis un peu envieux. Mais t'es arrivé quoi tout pied là? Vite. Il paraît qu'on propose à certains de travailler hors de l'arène. Tu as vite appris nos secrets, mon ami. Nous ne sommes pas censés en parler. Mais des occasions se présentent de temps en temps. Et je pense que je vais bientôt pouvoir en profiter. Tu sais qui propose ces contrats? Si ces gens agissent dans l'ombre, ce n'est pas pour rien. Personne ne sait qui ils sont. Suis mon conseil. Si tu as la chance d'être choisi, fais ce qu'on te demande. Prends l'argent et tais-toi. Ok. Fouille un petit peu. Alors, tu te sens en forme? Tu prépares ton ascension au sommet? Crois-moi, ce qu'on fait n'a rien de noble. Nous sommes des mercenaires, rien de plus. Des mercenaires? Des épées au service des riches? Je vois que tu es au courant. Suis mon conseil, refuse ces offres. C'est une dune glissante. J'ai vu mourir des hommes bien. Bats-toi et rentre chez toi. N'accepte pas ces contrats. Donc on a quand même deux sons de cloche bien différents. Après, si je dois me salir les mains pour être au plus proche du crocodile... Ouais. Tu vas souvent contre des lions? Seulement quand tu te tires. Ils coûtent bien plus cher que les hommes. Ils ne m'aiment pas. Il n'y a aucun honneur à tuer des animaux. C'est tuer ou se faire? C'est vrai. De toute façon, ils sont en cage. Pour de la légitime défense, à la rigueur, oui. Ouh, deux. Ah. Mais seulement pour de la légitime défense. Mais pourquoi moi? Prends la tête. Ils sont plus féroces que les soignants. Ah. Ah bah oui, mais j'ai beaucoup trop. Bonjour le gros. La mort est sur toi. Double dose. Vous voyez, devait être en cage. Il n'y a pas de règles dans l'arène, c'est... Oh, rip. Bah merci d'avoir participé. Attaquer. Ah ok, le plus faible qui était lui. C'est sur lui. Ah il vient. Oh mais elle me suit à chaque fois. Ok d'accord. Je voulais kite un petit peu lui là, mais pour le coup. Oh c'est pas les steaks. Ouh c'était joli ça. Putain, putain la recouverte de sang. Sexy. Sadique. Sexy. Ah ouais! Bah, les plus. T'achètes ça. Elle pointe parce que c'est l'excite. Mais les plus, t'achètes ça. Les baillets, comme toujours, d'un blanc. Les frères gaulois seront-ils les prochains?
tout cas, mamie avait l'air d'être intéressée par Bayek. RIP. C'est Callistos ? Que s'est-il passé ? Je l'avais prévenu. Il a accepté un sale travail. Nous ne sommes que des armes sans armes qu'ils brisent contre leurs ennemis. Tu sais qui l'a engagé ? Non. Et Félix ne le dira pas. C'est comme ça. Certains meurent, d'autres deviennent riches. Et tout le monde se tait. Elle est où? Elle est plus là? Où est Kensa? On a besoin de ses talents ailleurs aujourd'hui. Tu vas devoir te battre tout seul cette fois. Ça va bien se passer. Une autre mission? Comme celle qui a tué Callistos? Surveille tes paroles, Tadfiand. Ce qui est arrivé à Callistos est regrettable. Mais il connaissait les risques. Combattants trop curieux ne vivent jamais très vieux. C'est un métier qui peut être dangereux. Il y a des accidents. Je ne demande qu'à faire mes preuves. Alors gagne ce combat. T'auras ta chance face aux frères. Si tu les bats, on te remarquera. Ça va s'en tirer. Par Anubis, il faut que je gagne. Ah, cool. Oh ouais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui. Même seul le Medjay sait se battre. Quel guerrier! Oui. Alors. Un mec derrière? Non. Il est tout seul. Ah tiens, 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 tiens. Oh non, il était trop malin. Oh, le stun qui monte quand même. Ah, je voulais pousser sur les... Hop. Wow, qu'est-ce qu'il a fait, Bayek? Allez, tu meurs. Ouvre les yeux, Crocodilopolis! Assisteras-tu à l'ascension d'un nouveau prétendant? Les frères Gaulois garderont-ils leur trône? Putain, mais le stun que t'as, quoi! 3 secondes, quoi! La doua t'a. Oh, et oh, genre tu t'es pas pris un kill. Une très belle frappe, Harry. J'étais à bout de force. Tu vas saigner comme un mouton. Ah ouais, j'en étais sûr qu'il allait me la mettre. Il était passé hors caméra. Oh les gars. Allez, come on, babe. Tu te la prends. C'est tout? Ah. J'ai plutôt tendance à esquiver plutôt qu'à prendre un bouclier, c'est cool. Ah, Désolé de t'avoir laissé seul. Attention. On dit que tu as fait des prouesses. Aya va te casser le cul.
Félix t'avait confié une tâche. Pour le compte de qui ? Je te dirai tout en temps voulu, frère. Mais sache que notre avenir n'a jamais semblé aussi radieux. Oh putain, la tronche qu'elle a faite. Bayek. Voilà le moment que nous attendions. Notre chance de nous emparer du titre de champion. J'ai cru qu'elle allait me mettre un coup dans, au niveau de la bite, j'allais dire wow wow wow. Parce que même si je suis Medjay, Bayek va faire PLS. Donc, c'est votre tour d'affronter les frères. Je ne vous souhaiterais pas bonne chance. Vous n'en aurez pas. Mais voici un conseil. Ensemble, ils sont invincibles. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Séparez-les. Affrontez-les. Un à la fois. Vous survivrez peut-être. Merci, Horus. Mais sois tranquille. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Oh. Il y a bien pire que la mort. Soyez prudents. Les couleurs, elles sont super fades, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux parler à personne d'autre? Tu t'es bien débrouillé pour un petit rat du désert. Votre heure est venue. La foule en a assez de voir Viridovix et Diovikos écraser leurs adversaires. Je compte sur vous pour renouveler sa ferveur. Encore une chose, pas de mort. Je tiens à garder mes 4 meilleurs combattants en vie. J'ai donné le même ordre aux frères Gaulois. D'accord, nous ne te les tuerons pas. Mais pour ce qui est des souffrances et de l'humiliation... Ça y est, Bayek, notre heure de gloire. Oui. On nous construira des monuments et on inscrira nos noms dans les temples. On sera riches, on sera célèbres, on sera des champions. Mais oui, Whoopi Goldberg. Parce que franchement, elle a la même voix que Yuppie. Bref, l'actrice quoi. Qui était géniale dans Sister Act d'ailleurs. Elle n'a pas fait que ça. Voici les prétendants à la couronne. Les gardiens de Siwa. Invaincu. Inégalé. Voilà les frères Gaulois. Putain. Et lui sourit. Bon, non, c'est bien, il va sourire. Donc, il faut les séparer. Séparé pour mieux régner. Ah, regarde. Merde. Oh. Tiger, nip. On retrouve. Oui. Allez, viens ici, mon petit. Oh.
Correct. Oh putain, la caméra qui a changé dans ce coup là. Il a raté quoi. Et pourquoi la caméra s'est rapprochée? Ah, voilà. C'est un peu mieux comme ça. Je tue pas. Ils sont pas morts, hein? Ah oui. Alors, cassez ta gueule. Crocodile! Chut. Les frères gaulois ont été vaincus. Non! Tu as tué la petite Shadia. Vous méritez au moins la mort. La petite près du phare. On l'a pas tué. Je le jure. Nous avons fait des choses terribles, horribles. Mais ce n'est pas nous qui avons tué cette petite. Saluez les nouveaux champions. Les gardiens. C'est vrai. Siwa. Nous avons vu les soldats capturer cette fille et l'amener à Berenike. Au crocodile. C'est elle qui a noyé l'enfant. Elle a pris un livre, puis elle a ordonné qu'on attache une pierre à ses chevilles et qu'on la jette à l'eau. Nous, on n'a rien pu faire. C'est la vieille. C'est pour ça que tu es venu à moi, n'est-ce pas? Pour démasquer cette mécène, ce crocodile. Bayek, pourquoi tu ne m'en as pas parlé, hein? J'aurais pu t'aider. Tu es une mercenaire. Alors, tout comme eux, je ne pouvais pas prendre ce risque. Quel sera le sort des vaincus? Non. Vont-ils vivre? Bayek. Ou mourir? Tu me connais mieux que ça. Mourir. Bayek, il faut que tu saches. Dis-lui avant qu'il parte. Putain, j'aurais jamais pensé que c'était la vieille. Le glorieux Medjay est enfin de retour. Non. J'aime les esprits libres qui savent prendre leur sort en main. Tu aimes te battre et moi j'aime gagner de l'argent. Autant nous associer. Je trouve des combats, tu les gagnes et on devient riche. Enfin, je deviens riche. Toi, tu prends ce que je te donne. Si t'aimes les défis, va à Sirène. J'ai parlé de toi au propriétaire de l'arène. Pas la peine de me remercier. Tu m'as suffisamment fait gagner du prix. C'est quoi ça? Un rat qui a fréquenté un chien? Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va arrêter cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter sur celui-ci pour toujours savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper de nos aventures. Grand merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode où on a pu voir pas mal de combats. Quand même, c'était cool, même si j'étais un petit peu overpété par rapport à mon niveau 33, excuse-moi. J'ai dit 23, mais non, 33. Je vous fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.